Dans le cadre d'Europalia Chine 2009, la galerie Les Drapiers rend hommage au peuple Miao, ethnie minoritaire du sud-ouest de la Chine. Sa richesse culturelle et plus particulièrement son art textile est mis en avant dans une double exposition. La galerie a été entièrement transformée en épicerie par l'étonnante Julie Menuge. Cette artiste bruxelloise a réalisé un vrai faux magasin qui trompe tout de même plus d'un visiteur. Elle travaille sur tout ce qui est packaging, emballage, et elle s'amuse à créer des liens, à tisser des ponts entre différentes cultures, donc entre ici et ailleurs. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'à première vue, tout semble normal, et quand vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'elle s'est amusée à faire des petits collages, à coller des petits personnages sur ses emballages, donc avec beaucoup d'humour et de décalage. L'art textile Miao séduit manifestement cette designer qui joue également avec des parures importées et retravaillées. On en voit quelques-unes aux côtés de bijoux en métal typiquement Miao. Les talents de ce peuple pour les tissus se retrouvent dans la salle d'exposition avec notamment de magnifiques couvre-chefs. Il y a un vrai culte de la parure et un vrai savoir-faire ancestral. À travers tout un travail de broderie, un travail de batik, un travail de teinture également. Et c'est un peuple sans écriture. Et leur histoire se raconte un peu au travers de leurs costumes. Ici, à la galerie, nous montrons des chaussures et des chapeaux. Cette exposition est un avant-goût de ce que sera l'événement au Cursus dès le 7 novembre prochain. Les deux manifestations se prolongeront jusqu'au 14 février 2010. La galerie Les Drapiers ouvre ses portes du lundi au dimanche de 14 à 18 heures.